Bon, c'est comme je te disais hein, au téléphone. Moi, ma femme est gravement malade là. Je suis dans des problèmes pas possibles. Je suis là comme ça là. C'est grave. Ma femme est gravement malade là. J'ai besoin d'argent là. Là, on demande l'argent pour faire le scanner. On demande l'argent pour faire les examens. Sans compter l'hospitalisation. Le scanner seulement, c'est 150 000. Sans compter les examens. Donc, on est dans les 180 000, voire 200 000 et poussière. Donc, j'ai besoin de ça. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que toute la famille m'a abandonné. Tu sais qui a payé les premiers soins? C'est ma belle-mère, sa mère qui revient du village. J'ai honte. C'est comme si je n'avais pas de parents. Mais comment sa mère a payé les premiers soins? Tu travailles? Tu fais clando, non? Je fais clando, mais je gagne quoi dans le clando là? Tout l'argent que je gagne dans le clando, je donne ça à Tantine. Tantine, c'est à toi seulement que j'ai dit ça. Tantine est méchante. Tantine est une sorcière. Tantine aime trop l'argent. Je ne sais pas pourquoi elle est comme ça. Tantine, je fais des recettes folles. Je suis le seul clandoman ici dans Libreville. Je verse 600 000 en deux semaines. Je verse ça à Tantine pour la recette du clando. Aucun clandoman ne fait de chiffre d'affaires comme moi je fais là. Je te jure, mais Tantine me donnait même les 120 000 qu'on est tombé d'accord pour me payer là. Rien. Rien. Est-ce que c'est bien comme ça là? Alors que je vais te dire que dans tout Libreville, il y a au moins trois personnes qui me cherchent pour me donner leur voiture pour que je fasse clando. Bah attends, mais si Tantine ne te paye pas, va travailler avec ces gens-là, c'est tout? Non, je ne peux pas arrêter avec Tantine comme ça. Je l'observe encore moi pour deux semaines. Tu veux observer Tantine pourquoi? Va travailler. Non. Avec eux, c'est tout. Non, je ne peux pas faire ça. Elle ne te paye pas. Tu vas travailler avec ceux qui peuvent te payer, c'est tout. Non, mais si j'abandonne Tantine, la famille, vous allez prendre ça comment? C'est ça le problème avec la famille. On va dire que j'ai abandonné Tantine, je l'ai laissé. Non, je ne peux pas faire ça. Bon, écoute, donne-moi le numéro de ta femme. Pour faire quoi? On va appeler. Mais tu vas appeler ma femme. Je te dis que ma femme, là où je te parle, elle est en réa, elle est en salle de réanimation. Ma femme est dans le coma. Toi, tu peux parler à quelqu'un qui est dans le coma. Bon, donne le numéro de ta belle-mère. Mais tu vas faire quoi avec? Tu vas dire quoi, ma belle-mère? Mais on va parler, on va s'arranger par rapport aux factures. Mais est-ce que tu as besoin d'appeler ma belle-mère? Tu me donnes l'argent? C'est moi qui pars avec l'argent? Tu as besoin de parler avec ma belle-mère? Moi, je vais appeler ta belle-mère. Si tu veux m'aider, tu m'aides. Si tu ne veux pas, tu laisses. Oh, grand. Tu vas changer quand? Changer comment? Non, grand, arrête. Comment tu vas jouer aux malhonnêtes comme ça là? Arrête ça. Non mais grand, faut pas dire arrête ça. Hein? Malhonnête comment? Tu dis malhonnête comment? Nous sommes fatigués, la famille est fatiguée. Tu passes ton temps à mentir. Hein? Tu te souviens, rapport gentil, moi j'ai trouvé le boulot. Mais c'est mon propre frère, toi, qui va voir mes chefs pour qu'on m'enlève du boulot. Mais malheureusement, c'est toi qu'on a viré. Tonton t'a trouvé un boulot dans un restaurant à lui. Mais moi j'ai appris ce que tu as fait. Il paraît que tu étais devenu le patron, tu sortais avec des sachets de nourriture, plus de 10 sachets. Ton restaurant, il faut arrêter ça, grand. Il faut arrêter. Tu es vieux, il faut arrêter ça. Et moi, je vais te dire un truc. Hein. Tout ce que tu racontes là, sont des conneries. Moi, je suis au courant, tant tu m'as appelé. Moi, je jure que, moi, chez moi, j'ai vomi. Hein. Moi, j'ai lavé mes mains sur toi. Hein. Toute la famille t'a même vomi. La seule qui te fait même encore un peu confiance, c'est Tantine. Mais tout à l'heure, tu disais que Tantine, c'est une sorcière. Elle est mauvaise, elle est malhonnête. C'est toi qui es malhonnête. Il faut éviter ça. Attends, moi je suis venu. Ça c'est du passé. Moi, je ne suis pas venu pour parler de ça. Je te parle là, il y a une urgence, une question de vie ou de mort. Moi, je ne refuse pas. Moi, je dis, hein, moi, j'ai des problèmes. J'ai ma famille. Moi, j'ai la petite qui est malade. Mais je vais t'aider. Mais c'est ça là. C'est ce qu'on attend de toi. Parce que moi, je savais que toi, tu es le seul dans la famille. Hein, tu as un grand cœur comme ça là. Quand je t'ai appelé là, je savais que c'est toi qui devais. Donc, voilà ma contribution. Ça, c'est quoi? C'est ma contribution. Mais attends, moi je te parle des problèmes de près de 180 000 ou 200 000, c'est 2 000 que tu me donnes. Mais moi aussi j'ai des problèmes à la maison. Mais est-ce que tes problèmes sont comme les problèmes de ma femme hospitalisée là? Ah bon? Ah, donc toi c'est le décès de ma femme que tu veux seulement voir, hein? C'est ça. Je te préviens, Tantine et toi, hein? Qu'est-ce qu'elle a récupéré les clés de la voiture là? Je lui ai bien dit que ma femme est malade, je dois travailler là, elle a récupéré les clés. Je dis seulement que si ma femme meurt, vous aurez la mort de ma femme sur votre conscience. Non, elle n'est même pas ça sur le dos des gens. Si ta femme meurt, c'est toi-même. C'est moi-même comment? Moi, je vais donner ma contribution. Je vais appeler Tantine. Elle va te remettre les clés de la voiture. Tu vas travailler. Tu vas trouver l'argent pour payer les factures de l'hôpital. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Ah bon? Oui. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Je remets ça entre les mains de Dieu. Je vais aller avancer les 2000 à l'hôpital. C'est pas grave. Mais le jour où vous aurez aussi des problèmes, ne me sollicitez même pas un peu. En tout cas, bonne journée. Bonne guérison. Hein? Merci. Madame, tu dis à madame bonne guérison. Ok.
Ça, je fais quoi avec les 2000 là? Maman, donne-moi deux biens. Ça, c'est même l'argent travaillé. Ça doit finir ici là. Donne-moi deux biens là-bas. C'est quelle affaire ça?